Voici les noires collines du Dakota. Les Indiens Sioux ont donné ce nom à cette région, car c'est ainsi que se traduit dans notre langue le mot amitié. Il y a 7 tribus de guerriers dans notre nation Sioux, et j'ai prié pour que les collines du Dakota restent inaccessibles à l'invasion des hommes blancs. Mais une fois de plus, les hommes blancs approchent. La tristesse au cœur, je les vois s'avancer. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, mais je sais que beaucoup d'autres viendront, car ils cherchent le trésor de l'homme blanc. Je suis Sitting Bull, le chef des Sioux. Mon peuple est disséminé jusqu'aux plus extrêmes limites de notre territoire. Voici Renard Noir, le chef de mes guerriers. Et voici une partie de mon peuple. Regarde, Renard Noir, les chariots arrivent sans aucun soldat. Ces hommes agissent comme si notre terre leur avait été donnée. Ils sont pareils à leur bétail, bien nourris, stupides et lents. Et il y a des vivres dans les chariots. Et notre peuple manque plus de nourriture que ces envahisseurs. Que ce qu'il faut aux femmes et aux enfants pour aller au camp du buisson. Gardez la vie de nos braves pour notre guerre. Pourquoi se cacher quand le gibier se présente? Le vrai guerrier garde toutes ses forces pour se défendre quand le blanc l'oblige à se battre. Pour vivre. Commandant, des voleurs sûrs ont pillé nos chariots. Poursuivez-les! Perdez pas de temps, commandant. Saccage les chariots. Et attaquez-les! Eh ben, dépêchez-vous. C'est vous le chef de cette bande? On est honnête prospecteur. Et que faites-vous sur le territoire? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. En quittant le fort, vous deviez vous rendre au sud ou à l'est. On a dû se tromper de route. Est-ce que vous allez à la poursuite des Indiens, oui ou non? Ils n'ont pris que la nourriture, commandant. Ce sont des Sioux. Très bien. Je vous prie de nous suivre jusqu'au fort. Mais c'est ridicule, non? Allez-vous les laisser s'enfuir? Oui. Et si je vous traîne en justice, qu'en direz-vous? Et si je vous mets mon poing sur la figure, est-ce que vous vous déciderez à vous taire? Rejoignez la queue de la colonne, monsieur. Alors, allez, passons. Et surtout que ces hommes restent sagement derrière nous jusqu'au fort. Escadron, en avant! Allez, 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 allez
général de votre attitude. Allez-y. Bonjour, Catherine. Qu'est-ce qui se passe, Bob? Vous avez des ennuis? Moi? Mais d'où vous vient cette idée? Combien d'hommes ont été tués? Aucun, 2 blessés. Nous avons perdu tous nos vivres, colonel Custer. Commandant Parrish au rapport, mon général. À tout à l'heure, on en reparlera, O'Connor. Vous désirez l'entendre le premier? Eh bien, Parrish. Cet homme et sa bande étaient sur le territoire Sioux. Mes ordres étaient de patrouiller afin que soit évitée la violation du traité indien. Un officier commandant doit faire preuve en toutes circonstances d'un certain esprit d'initiative. Si comme chef de mon régiment j'ai dû vous donner des ordres, ai-je jamais dit de les appliquer à la lettre? Mais je n'ai pas agi sans considérer la situation. J'ai ramené ici quelques prospecteurs qui voulaient nous entraîner dans une aventure. Faites-moi votre rapport, commandant. Ces hommes sont venus ici aux forces procurer des provisions, mais ils ont quitté le camp sans même dire où ils allaient. Ils ont gagné le territoire des Sioux. Ils ont effrayé le gibier, souillé leur eau et tué les Indiens isolés qu'ils rencontraient. Ils savent qu'en fait ils signent avec les Indiens. Ce n'est à leurs yeux qu'un chiffon de papier. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nos rapports avec les Sioux échappent à votre compétence. Nous sommes tous ici pour obéir aux ordres. Et les ordres ne semblent pas avoir une bien grande importance pour vous. Commandant, depuis que vous êtes ici, vous êtes un boulet que je traîne aux pieds. Je vous ai connu auprès du général Grant et vous étiez colonel. Mais vous avez fait marche arrière depuis cette époque. Nous semblons avoir voyagé dans la même direction, mon colonel. Car alors vous étiez général. Messieurs, cela suffit. Le colonel Custer a décidé que vous seriez nommé ailleurs, commandant. Dans un fort où les Sioux ne risquent guère de vous gêner. Il s'agit, commandant, du camp civil des Roches Noires. Les Roches Noires? Vous êtes nommé pour une période d'un an. Si vous refusez cette nomination, il ne vous reste qu'à démissionner. Vous partirez demain, commandant. Vous relèverez les troupes du camp et maintiendrez l'ordre chez les Indiens. Pas de question? Aucune, mon général. Et merci, mon colonel. Un an de réflexion lui sera bien utile. J'en doute, mon général. Oh, excusez-moi. J'ai besoin de parler un instant à Catherine avant que le commandant ne l'envoie. Sous cet aspect, la question ne me concerne pas. She makes him your son. Je vous plains, vous et elle. Je vous ai entendu. Je sais ce que vous avez dit au colonel Custer. Allez-y, dites-le donc. Je vous ai trahi. Non, celui que vous avez trahi, Bob, c'est vous-même. Je sais, le fort des Roches Noires est un site peu agréable pour une lune de miel. Qui parle de lune de miel? Nous ne sommes plus fiancés. En fait, je suis contre les trop longues fiançailles quand nous marions. Jamais nous ne nous marierons. J'en ai pris mon parti. Quittons-nous. Oh, la colère vous aveugle. Non, ce n'est pas la colère. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne demande pas que son amour à celui que j'épouserai. J'exige aussi qu'il défende sa carrière et notre bonheur, plutôt que les Indiens. Mais lorsque j'aurai la chance de... Des chances, vous en avez si souvent gâché. Vous devriez commander un régiment depuis longtemps déjà. La discipline vous est-elle trop lourde? Est-ce l'inaction ou autre chose? Mais non, c'est simplement parce que mes projets contrarient ceux de messieurs les patriotes qui se distraient en tuant des Sioux dans l'espoir de se faire remarquer. Cette question indienne semble vous obséder beaucoup. Laissez-nous gouvernants la régler. Ou alors démissionner. Que je... Que ferais-je? Qu'est-ce que je sais? Défricher des terres. Et je labourerai avec vous, si je suis sûre que vous labourez mieux que les autres. Oh, Bob, je ne demanderai qu'à vous aider. Mais il faudrait que vous vous battiez afin de gagner la première place, quoi que vous fassiez. Est-ce là votre dernier mot, Catherine? Si je vous épouse, oui. Vous ne m'épouseriez pas si je n'étais que simple soldat. Les? J'accepterais d'être votre femme si vous aviez l'ambition de vous élever. Une femme doit pouvoir être fière de son mari. Vous avez été rétrogradée. N'espérez jamais que je sois un jour à vous. Autant mourir. Votre bague. Si vous voulez la donner à une autre femme, pensez à son avenir, faites qu'il soit glorieux.
J'aurais pourtant cru qu'une jeune fille telle que vous consentirait à vivre aux Roches Noires pendant un an. Vous seriez toujours dans l'armée? Oui. Je ne quitterai pas l'armée. Au revoir, Bob. Je crois que tout a été dit. Nous sommes tes amis, ne t'inquiète pas. Dis-nous d'où tu viens. Des Roches. Des Roches Noires? Parle-lui. Voici la coule. Solté. Ketonka tatonke. Solté pegoxidan. Totonka yotonka. C'est jeune Buffalo, fils de Sitting Bull. Sitting Bull? Faut laisser partir. Bien. Allez, sauve-toi. Allez, en route pour le camp. Tenez. Jeune Buffalo. Blanche Gazelle. Tu es très malade, jeune Buffalo. Que s'est-il passé? Ouais, père, je veux le voir. Beaucoup meurent parmi les nôtres dans ce camp, père vénéré. Hommes et femmes, vieux et jeunes, il en meurt chaque jour et tous ont faim. Tu te tais, parle-nous. Quel mot te dire quand je songe, mon fils, à cette détresse immense? Dis que nos guerriers feront payer aux blancs mort pour mort, que pour chaque Indien tué au camp des Roches Noires, il y aura 200 blancs scalpés. Le chef Renard Noir parle sagement, père. Il y a de longues lunes que les tambours de guerre n'ont pas résonné. Nous avons disséminé nos guerriers sur toutes nos terres. Je ne saurais dire que des mots pour consoler les nôtres qui sont prisonniers. Mais que font-ils de mots enfermés ainsi que des chiens? Pas un parmi eux n'a levé son arme contre un seul blanc. Le maître du camp a ordonné aux soldats de les emmener à l'ouest, la zone des sables. Les nôtres ont refusé d'y aller. C'est pourquoi ils sont punis et privés de nourriture. Malgré cela, tu refuses de faire la guerre. J'enverrai un message qui les réconfortera. Je vais prier le grand esprit. Laisse-moi un jour de repos, et puis je repartirai. Non. Laisse un autre y retourner, Sitting Bull. Pas ton fils. Il a assez souffert. Ce sera le meilleur moyen de prouver que mon père, lui, a pensé au sien. À moi de repartir. Ce message. Je vais tenter de faire la paix avec les hommes blancs. Si je ne peux la faire, ils pourront entendre nos cris et recevoir les flèches de nos braves. Mais avant tout, je veux réunir les chefs en conseil.
commandant. Qui venez vous relever? Trouvez-moi tout de suite des livres. Que les hommes s'installent. Un homme sur trois, quatre chevaux! Ah, mais je ne me trompe pas, c'est le colonel Parrish. Commandant. Commandant? Il vous aurait rétrogradé. Est-ce un asile de nuit ici ou bien un poste militaire, dites-moi, capitaine? C'est un poste militaire, rien d'autre. Un cadeau du bon Dieu pour les Indiens. Et pourquoi ces barrières? Qu'y a-t-il là-dedans? Le vent vous en apporte l'odeur, vous ne sentez pas? Je désire y aller. Vous devriez d'abord boire un bon whisky. Garde! Ouvrez! Que font ici tous ces malheureux? Ce sont des traîtres, selon Weber. Qui est Weber? C'est le civil qui dirige le camp. Ces Indiens ont refusé d'abandonner leur foyer et d'aller dans les réserves. Curieuse idée, il faut bien en convenir. Un Weber a voulu les forcer à obéir en les affamant. Commandant Parrish, au rapport. Je viens relever le capitaine Swell. Je n'ai pas le temps maintenant. Voulez-vous attendre? Non, je n'ai besoin que d'un ordre pour obtenir des remèdes et des vivres. Quelle armée? Vous a-t-on envoyé sans vos rations militaires habituelles? Mes hommes ont leurs rations. Je veux distribuer des vivres aux Indiens de l'enclos. Distribuer quoi aux Indiens? De quoi subsister. Vous êtes ici pour faire régner l'ordre et non pour diriger ce camp. Mais enfin, des Indiens meurent à chaque minute. Ce sont des traîtres, de sales traîtres. Ils ont refusé de m'obéir. Installez vos troupes, commandant. N'ayez pas peur, nous aurons largement le temps d'en reparler dans les 12 mois à venir. Oui, mais enfin, que faire c'est pour assez, ces malheureux commandant. Indiens? Partager ici vos tourments jusqu'à ce que mon père réunisse du secours. Tu es venu partager aussi notre mort. Demain, nous tenterons de fuir ce camp. Périr en luttant est plus valeureux que de mourir dans ce camp comme des chiens. Mais ils ont des armes, des soldats. Il faut essayer. Mon père tient un grand conseil. Son avis est d'être patient. Nous avons attendu longtemps. Ce soir, on incendie le camp. Retourne près de ton père, jeune Buffalo. Mais plusieurs braves peuvent m'accompagner et rejoindre mon père. En laissant les femmes et les enfants, ainsi que les vieillards dans ce maudit camp. Je vous aiderai à mettre le feu. À mon commandement! Le temps, en avant! Je suis content que Swann s'en aille. Oui. Le moral baissait de jour en jour chez ses troupes. Le mal du pays.
Que vos hommes aient de la distraction. Encouragez les sports. Les questions militaires ne concernent que moi, Monsieur Weber. Contentez-vous des questions civiles. Je faisais partie de l'armée alors que vous n'étiez qu'un poupon, commandant Parrish, et d'une armée réputée pour sa discipline, de la célèbre armée de Prusse. J'en étais sûr. Vos ordres vous parviendront chaque jour à 9h précises. Dites-moi à quel moment nourrit-on les Indiens? Tous les jours, au coucher du soleil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sergent. Commandant. Qu'est-ce que c'est que ça? La soupe des Indiens. Un porc serait écœuré. Oui, pour ça, c'est vrai. Goûtez ça. Je n'y tiens pas. Vous espérez que les Indiens avaleront cette saleté? Ces Indiens méritent d'être punis. Ils ont refusé de marcher jusqu'au temps qu'ils devaient les mener en Floride. Le gouvernement verse l'argent pour les vivres et pour les remèdes. Où va cet argent? C'est moi qui dirige ce camp et je n'ai de compte à rendre qu'à mes supérieurs et non à l'armée, Paris. Goûtez ça. Cette plaisanterie, si tu n'en as pas envie de plaisanter, goûtez. Je déposerai une plainte. Je le goûterai. Commandant, les prisonniers s'échappent du camp. Empêchez les fuir, tirez, laissez-les partir. Tirez. Commandant, est-ce que vous êtes fou? Ordonnez à vos hommes de les abattre. Entendez-vous? Eh oui, je vous entends. Ne tirez pas! Vous entendez? Ne tirez pas! Je vous ordonne de faire feu et de les abattre tous. C'est un ordre. Ouvrez les portes! Laissez-moi! Vous êtes fous! Je crois que je pourrais rester dans ce camp pendant un an. C'est vous qui aviez raison. Oh, Bob. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Que s'est-il passé ici? Vous le saurez bien assez tôt. Parrish, hier soir, j'ai fait envoyer un télégramme. Et la réponse de Washington vient d'arriver. Je dois vous mettre aux arrêts en attendant que vous passiez en cour martiale. Sergent, prenez le prisonnier en charge. Miss Howell est la fille du général, Monsieur Weber. L'expression de cour martiale ne s'emploie pas à la légère dans l'armée. Oh, voyons, expliquez-moi, Monsieur Weber.
En arrivant ici, il m'a insulté gravement. Je détenais des prisonniers, de dangereux indiens indisciplinés. Il prit le parti de ces bandits et les poussa à la révolte. Et enfin, il refusa d'ordonner à ses troupes d'ouvrir le feu. Après ce que je vous ai recommandé. Il vous a donné sa version. Écoutez la mienne. Je ne veux pas l'entendre. Monsieur Weber, voulez-vous dire à l'escorte que je veux retourner au fort? Avec plaisir, Bissol. Merci. Je suis désolé. C'est Igboul. Viens voir. Pas faire la guerre. Laisse-moi. Je veux pleurer, mon fils. Esprit, père de mes pères, le corps de mon enfant est là, lâchement tué. Entends les cris de douleur de nos femmes. Entends les appels guerriers de mes chefs. Aide-moi de ta lumière, esprit. Faut-il rallumer la guerre? Sur cette terre, n'y a-t-il place que pour un seul peuple? Guide-moi, ô Dieu de mon peuple. La guerre ou la paix? La guerre ou la paix? On peut avoir la paix ou la guerre, monsieur le président, selon la façon dont on traite les Indiens. Je vous ai convoqué pour que vous m'expliquiez votre conduite au camp des Roches Noires. Rien de plus, Barish. Mais j'ai voulu prévenir un carnage. Votre système de défense n'a pas convaincu le tribunal, puisqu'il demande votre révocation. Mais pourquoi n'a-t-on pas accusé Weber? On l'a puni. L'administration a révoqué Weber. Et n'élevez pas la voix. Je vous demande pardon. Je n'ai plus qu'à signer cette note, et vous aurez toute liberté de circuler et de répandre les idées qui vous ont amené en cour martiale. Comme civil, vous n'aurez plus à supporter la discipline de l'armée. Et la discipline est votre bête noire, je crois. Asseyez-vous. Vous étiez le colonel le plus jeune de l'armée, Parrish. Décoré maintes fois. Un bel avenir, ainsi détruit. À l'ouest, j'attendais de vous un autre exemple. Vous avez une raison, laquelle? Vous voulez descendre l'échelle des grades jusqu'en bas? Puis-je dire ma pensée? Je vous écoute. On n'a réglé aucun problème indien entre le fils de Sitting Bull. Ça, je le sais. Et je suppose que vous avez un plan pour faire taire à jamais leur tambour de guerre. Oui, il faudrait traiter avec toute la nation Sioux. Ça fait des siècles que ce peuple tient le pays entier, de l'Oklahoma au Kansas, du Minnesota au Dayton, des guerriers comme ça, et des milliers. C'est un peuple fier. Il sacrifierait tout son sang dans une guerre contre nous, s'il n'y avait un obstacle. Lequel? Sitting Bull, leur chef spirituel. L'homme qui, chez eux, compte beaucoup plus que Renard Noir ou que n'importe quel chef. Sitting Bull est l'élément modérateur de ce peuple guerrier. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'il sait qu'une guerre contre nous représenterait la fin de son peuple. Monsieur le Président, faites venir Sitting Bull ici à Washington. Traitez-le avec la dignité et le respect dû à son rang. Et prouvez-lui de manière irréfutable que nos traités ont une valeur, que ce ne sont pas de simples formules. Et vous sauriez convaincre Sitting Bull de venir jusqu'ici? Je crois que oui. Si je ne dois pas être traîné au supplice par mes supérieurs à l'instant précis où j'arriverai au Dakota.
Cette lettre fait de vous un envoyé spécial. Comment dit-on ça en indien? Medicine, sir. Chef blanc messager. Maintenant, vous ne dépendez plus de vos supérieurs militaires, capitaine. Capitaine? Dans l'intérêt de la discipline, je suis obligé de vous rétrograder. Bien, monsieur le président. Vos déboires chez les Sioux ont été ce qui s'appelle une partie de plaisir. Maintenant, une véritable difficulté vous attend. Oui, et laquelle? La ruée sur le pays indien. On y a découvert de l'or. De l'or? Vous ferez bien de hâter la conférence avec Sitting Bull. Non! 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 Ce sont le pot rouge qui cherchait à nous voler notre concession. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'elle prenne une pelle et qu'elle l'enterre. Maintenant, voilà d'autres hommes. Et ceux-là veulent de l'or. Les soldats étaient encore bien moins cruels. Ces hommes amènent leur famille. Ils tirent sans que l'ordre vienne des chefs. Ils tuent le gibier sans raison. Ils troublent l'eau des rivières. Et ils veulent rester. Chassons-les tous. Pendant qu'il y a encore du gibier dans nos bois. Toi qui es un sage, Sitting Bull, la peinture de guerre est prête. Oui, et notre chef. Parle, Sitting Bull. Quelle est ta décision? La flèche qu'on tire contre notre ennemi doit tuer. Lorsque sur mon visage je mets la peinture, ça signifie guerre. Voici ce que je conseille. Réunissez tous les guerriers de nos tribus avant de tirer une seule flèche. Il nous serait facile de faire partir les blancs qui veulent les pierres jaunes. Mais pour les chasser, nous devrons battre tout d'abord leurs soldats. Écoutez le conseil que je donne. Que des messagers se rendent dans toutes les tribus Sioux, chez les Cheyennes et les Crocs, autrefois nos ennemis. Que des messagers courent chez nos cousins. Et qu'ils partent dès aujourd'hui. Réunissez notre armée. Il faut s'assurer que l'arc est bien tendu avant de fixer la flèche dessus. Et un peu déçu. Je suis capitaine, vous le saviez? Oui, je l'avais appris. Mais qui sont ces gens? C'est la foire? Ce sont des prospecteurs. Mon vieil ami aux cheveux jaunes. Il a capturé toute une armée. Ah! Catherine, j'aimerais vous voir en tête à tête. Oh, Bob. Emmenez les prisonniers. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Qui est à terre? Bonjour, chérie. Ça ne valait pas le coup de se déranger pour quelques malheureux prisonniers. Sergent, au rapport. Commandant. Oh non, pardon. Capitaine Parrish. Je vous présente mon fiancé, Charles Wentworth. Vous êtes Charles Wentworth, le correspondant de guerre? En effet. J'ai souvent entendu parler de vous. Ça ne doit guère vous étonner. Alors, encore le dessus du panier. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, je blague, c'est tout.
Vous cherchez peut-être une guerre ici, monsieur Wentworth. Vous savez, mon patron dit que l'Ouest est sur un volcan. Je vous priverai sans doute de votre guerre. Peut-être gagnerez-vous sur un autre terrain, c'est possible. Excusez-moi. Je voudrais voir les prisonniers. Bien, mon capitaine. Il ne sait pas perdre, ce garçon. J'aurais aimé le lui dire autrement. Ouvrez, il faut que je l'en parle. Bien, mon capitaine. Tu connais notre langue? Oh non, on connaît tout juste des mots. Pourtant, tu comprends ce que je dis? Oui, un peu. Quel est ton nom? Esclave noir échappé de l'enfer des Blancs. C'est mon nom en Sioux. Mais dans notre langue? Sam. Connais-tu Sitting Bull, Sam? Oui, moi, ami grand chef Sitting Bull depuis 10 années. Me conduirais-tu à lui? Moi, je vais. Et eux aussi? Eux aussi. Alors, nous partons. D'accord, partons. Je croyais pas que nous revoir le soleil. Attends-moi, je reviens. Le tribunal a dégradé Parrish, qui n'est plus que capitaine, mais ce n'est peut-être pas une punition suffisante. Au moindre faux pas qu'il fasse, croyez bien que je n'hésiterai pas à l'envoyer à la corvée de patates cette fois. Vous solliciterez ma permission d'abord, n'est-ce pas, colonel? Oui. Capitaine Parrish, mon général. Je vous apporte un message important et secret. Quelques minutes, capitaine. De la présidence, mon général. Je vous en prie, colonel. Mon général. J'espère que ce n'est pas une preuve nouvelle d'insubordination, Parrish. Ne profitez pas de l'amitié que je vous porte. J'ai l'honneur de solliciter la libération des 5 prisonniers qu'on vient d'amener ici. Leur libération? J'ai là l'explication. Voilà une remarquable lettre de créance. La signature est d'importance. Un mot de passe qui peut conduire loin. Oui, à moins qu'il ne vous mène directement au scalp. Pourquoi voulez-vous les prisonniers? Justement pour échapper au scalp, en allant voir Sitting Bull. La mission que vous avez là n'est pas facile à remplir. J'aimerais partir au coucher du soleil. Je n'ai rien à ajouter, sinon ceci. Bonne chance. Merci beaucoup, mon général. Une autre tasse? Non, merci. Entrez. Je viens vous dire au revoir. Entrez donc, Parrish. Je m'en allais, justement. Non, restez, Charles. Je suis sûr que vous avez à parler. C'est idiot de sa part de nous laisser seuls tous les deux. Ça n'a aucune importance. Nous devons nous marier en arrivant à Boston. Il existe un dicton bien connu. Mariage hâtif, regret tardif. Non, il ne s'agit pas de hâte. Je connais Charles Wentworth depuis le collège. Nous, nous avions été fiancés trop vite. Et je m'en suis repentie. Reprenez cette bague. Elle est à vous. Elle ne signifie rien pour moi. Même comme souvenir? Comme souvenir. Un souvenir de poussière, de sueur, de caserne, de manœuvre. Oui, de tout cela. Et elle vous rappellera aussi un homme qui vous a aimé. Charles est amoureux de moi. Oui, et il vous emmènera au théâtre, il vous gâtera. Oui, il y a un peu de ça. Et ça, il vous le donne. Maybe so, Captain. Maybe so. On est monté jusqu'ici. Ce paysage a beaucoup d'attrait pour vous, on dirait, Catherine. Ce coucher de soleil. La vue est magnifique d'ici.
Et vous ne cherchez pas un souvenir dans ce bel espace vallonné? Rien de nouveau de votre patron? Si, ça fait 4 jours déjà. Je termine l'enquête que j'ai commencée. Et je partirai quand je voudrai. 4 jours déjà? Hmm? Et vous ne le disiez pas? Je reste, car j'attends la suite des événements. Et pourquoi attendre encore pour rentrer? Pourquoi ne pas repartir tout de suite? Je crois qu'il se passe par ici des faits très rares. Quoi? Est-ce plus important que notre mariage? Oh non, j'y vais. Mais Paris, je dois revenir bientôt ici. Et alors? À son retour, je tiens à être là. Oubliez pas Paris. Moi? Je ne demande qu'à l'oublier. Croyez-le, Catherine. Oui, chef. J'en sais rien, tu peux avoir 1000 raisons. Nourrir un indien comme petit bébé. Je suis navré, je ne peux pas les détacher. Je ne veux pas qu'ils en profitent pour nous quitter. Po ayubate sugita wadira. Tu sais pourquoi le riz, chef? Pas encore, mais dis-le-moi. J'attache un indien avec l'anière en cuir. C'est solide, ça tient bien. La nuit, osé mouiller le cuir. Ils glissent et leurs mains se détachent. Toutes les nuits. Tous les matins, ça me remet cuir. Est-on loin à présent du camp de Sitting Bull, Sam? Toi, y es déjà, chef. Tu apportes un message au peuple indien du grand chef blanc. Ah? Oui, je viens tenir conseil avec toi, Sidney. L'homme blanc prononce des paroles, sont des mensonges. Je suis envoyé par le chef blanc, grand chef des tuniques bleues. C'est un traître, jouons-le! Attendez! Dis à ce fou de se taire, s'il veut mon sang, qu'il me combatte en indienne. Il a ce droit. Je l'abattrai. À l'indienne. Thank you.
message pour toi. Je vais écouter le message de ton chef. J'ai voulu que la paix règne. J'ai prié pour l'avoir. Et il a fallu se battre. Et lorsque les Blancs ont gagné une bataille, on dit c'est la victoire. Lorsque les Indiens ont gagné, on dit c'est un massacre. Grand chef, veux-tu écouter le vœu de mon chef? Parle. Que tes bras vaillent de l'autre côté de la rivière. Les miens vont amener des forces. Elles iront se placer en face des tiennes. Mais aucune des armées ne pourra se battre, tandis que tu seras auprès du chef blanc pour discuter. Tu répondras oui au grand chef blanc. Quel est ton plan, Sitting Bull? Mes braves abandonneront la lutte, mais c'est le chef blanc qui viendra. Il viendra me voir entre les deux armées dans la campagne indienne. Tu veux que le président vienne ici? Si on ne fait pas la paix, ses troupes et les miennes devront se battre. Le chef sera au milieu. Il mourra le premier. C'est la décision que je prends. Mais le chef blanc habite loin du pays. Il aura le temps de venir. Des milliers de braves sont réunis ici. Beaucoup d'autres viendront. Ils ne combattront pas jusqu'à la pleine lune. J'ai peur que le président ne vienne pas ici, Sitting Bull. À la pleine lune, je veux qu'il vienne. Cheval, Sam. Nous partons tout de suite. Tu vas voyager encore toute la nuit, capitaine? Toute la nuit? Possible, ça, capitaine. Nous avons voyagé toute la nuit dernière. Maintenant, les chevaux refusaient d'avancer. Tu te trompes, Sam. Un cheval court, il tombe mort, mais il ne refuse jamais d'avancer. En route. Viens, petit. Viens. L'ouest du Mississippi ont pris pension ici. Sergent! Monsieur le capitaine? Donnez l'ordre de rentrer ces chevaux et de les nourrir. Sam, va manger toi aussi. Cela paraît insensé. Oui, mais Sitting Bull le veut. Sa décision est sans appel. Oser exiger du président des États-Unis qu'il vienne ici tenir conseil autour d'un feu de camp? Il comprendra. C'est un soldat. Envoyez un message tout de suite, mon général, dès ce soir. Bien sûr. Je n'ai pas grand espoir. Je comprends ça. Mais si on évitait la guerre? D'accord. Je l'enverrai. Il faut vous reposer. Oui, mon général. Hey, Captain! Je suis content de vous voir. Votre fiancée a l'air d'en être moins contente. Quoi de neuf? La guerre sera-t-elle déclarée? Déclarée? Il y a longtemps qu'elle l'est. Ce que dit Charlie est très sérieux. Il vous parle en reporter. On dirait qu'il s'est passé quelque chose ces jours-ci. Trois jours et trois nuits à cheval, c'est peut-être trop pour un reporter. Mais pour un soldat, c'est bien peu de choses. Charlie sait très bien ce que c'est que l'uniforme. Il a même fini la guerre comme commandant. Commandant? Mais qui aurait cru cela? Il me bat là aussi. Quel type. En d'autres circonstances, il me plairait, ce garçon-là. Voici nous.
nouvelles, chef? Non. Aucune. Rien de perdu, chef. Il reste un quartier avant la pleine lune. Nos guerriers sont là, Sitting Bull. Assure-toi que l'arc est bien tendu, Sitting Bull. Ils ont ma parole. La lune n'est pas ronde. Les hommes blancs ne surveillent pas la lune. Ils sont prêts à combattre. Les chercheurs d'or approchent de plus en plus. Permets-moi de chasser ces bandits. Une flamèche mettra le feu à la prairie. Une flamèche? Ce qu'il faut, c'est y jeter 1000 torches. Lorsque l'heure viendra, j'allumerai vos torches. Ça m'a les yeux qui piquent tant ils fixent la lune, chef. Est-ce que j'étais idiot de penser que Grant viendrait de Washington au pays Sioux? Je crois qu'on a perdu, Sam. Danser, bien s'amuser, capitaine. Oui, c'est possible. Sam, on ne reste pas sur un navire qui sombre. Tu as été un excellent ami. Ne te crois pas forcé de rester là, part. Va rejoindre tes amis, les Indiens. Quitte le camp ce soir, je comprendrai. Sam est comme le cheval qui marche toujours, capitaine. Quoi, tu ne m'abandonnes pas? Bon. Merci. Pardon, mais capitaine, toi abandonnes? Tu as pu penser à elle? Partout on le rencontre. Catherine. Que voulez-vous que je fasse au juste? Je voudrais que vous m'emmeniez loin d'ici. En êtes-vous vraiment sûre? Je sais à quoi vous songez, chérie. Je veux que nous nous marions. Mais emmenez-moi à Boston demain ou j'irai seule. Je vous y conduirai. Nous partirons à l'aube. Je serai prête. Très bizarre, chef. Toi, battre un noir, toi, entrer dans le territoire indien, toi, peur de rien. Pourtant, toi, peur de parler à une fille, de bien la regarder et de dire « Viens où ma tante ». Ah, Parrish, quelle chance. Vous teniez donc à me voir, Wentworth? Eh bien, j'étais venu vous dire au revoir. Demain matin, je quitte le camp, avec Catherine. Que dois-je répondre à cela? Vous souhaitez bonne chance? En général, c'est ce qu'on dit.
Eh bien, bonne chance. Bien. Vous êtes en train de faire une bêtise, et vous le savez. Et c'est pour dire ça que vous venez. Vous n'aimez pas Wentworth. Oh, laissez-moi. J'en suis sûr. Dois-je appeler mon père ou bien sortez-vous? Vous ne vous laisserez pas m'échapper, je vous avertis. C'est inutile. Vous n'y pourrez rien. Sir, you want in the orderly room? C'est urgent. Mon général, la réponse du président. Message en code. Et jamais le même code. Allons déchiffrer. Messieurs, allez nous attendre dehors. Sergent, que personne n'entre ici. Personne, c'est compris? À vos ordres, mon capitaine. Que dit-il? Un instant. Vous triomphez. Approuve, plan Paris. D'accord, pour voir Sitting Bull. Ordonne, gardez lieu et jour secret. Signé, Ulysse Grant, président. Au travail, Tyche. Écoutez, est-ce que vous approuvez ce plan? Sergent, vous pouvez rentrer. Ça y est, il a accepté. Il faut avertir Sitting Bull. C'est toi que j'envoie le lui annoncer. Et toi? Je te suivrai avec Custer, tu nous rejoindras. Oui, j'ai un lien facile de trouver, Blanc. Tiens, Bob. Quelle surprise. Alors, c'est le départ? Oui. Disons que ce n'est pas le meilleur qui gagne. Les journalistes n'ont pas plus de scrupules que ça. Comment? Vous vous trompez. Si vous insinuez que c'est de façon déloyale que je vous ai enlevé le cœur de Catherine, allons régler cette question ailleurs. Ah, il y a Maldon. Ce n'est pas à cela que je pense. Je voulais parler de graves événements que ne peut négliger un vrai reporter. De quoi s'agit-il? Du plus extraordinaire événement qu'un journaliste ait vu. Est-ce que c'est sérieux? Le président Grant sera bientôt ici. Grant? Nous l'attendons pour signer un traité de paix avec Sitting Bull. Oh, c'est ça. Vous oubliez une chose, Parrish. Je pourrais télégraphier la nouvelle, interrompre un instant nos projets de mariage. Oui, vous le pourriez. Mais cette information est secret militaire, Wentworth. Télégraphiez-la et vous m'enverrez directement au poteau d'exécution. Alors, à vous de choisir. Oh, grand esprit, je viens te demander force et courage. La peinture de guerre est prête. Donne-nous force et courage. Si le combat doit reprendre, ce sera le dernier combat.
instructions, colonel. Cacheté ? Cacheté. Vous partirez dès que vous serez prêt. Bien, mon général. Éclaireur en avant ! Le calumet et les cadeaux. Il n'y aura pas de guerre. Pas de guerre. Pas de guerre. Eh bien, ça. C'est une boule à un message, capitaine. Il a dit pas de guerre. Bien. Mais d'autres ennuis vont bientôt éclater. Sam a vu des mineurs, capitaine. Douzaine d'hommes. Ils ont fusils. Ils sont tous prêts à tuer Indiens. Pourquoi eux font ça? C'est Custer qui appelle ses officiers. Vers la pointe noire. Vous resterez à la petite crique. De cet endroit, on voit tout ce qui se passe dans le camp des Sioux. Bien, mon colonel. Mais vous aviez l'ordre de rester ici. Ne discutez pas, capitaine. Capitaine Benton, couvrez les arrières du commandant Renault. En route, ne perdez pas de temps. Bien, mon colonel. Un conseil, n'approchez pas trop près d'eux. Capitaine Parrish, avez-vous pris connaissance des ordres du général Howell? Oui. Ces ordres sont clairs. D'après eux, vous êtes replacé sous mon commandement. Vous connaissez bien mieux que personne ces mineurs. Aussi, je vous confie le soin de les emmener loin du pays indien. Vous avez la responsabilité de leur vie. Mais ma place est ici. Capitaine, vous discutez un ordre? Non, mon colonel. Hey, Bob! Get the troops, man. Bien, mon capitaine. On vient de me remettre le courrier. Catherine m'a écrit une lettre. Et elle me dit de vous rendre ceci. Voulez-vous la lire? Non. C'est vraiment le meilleur qui a gagné, Bob. Je l'aurais juré. Vous croyez que j'étais fou de la laisser là-bas, au fort. Mais c'est pas moi qui allais lui manquer. C'était vous. Bonne chance.
J'ai bien réfléchi et je ne vous le cache pas. Si jamais les Indiens nous attaquaient, ce ne serait pas ici que j'aimerais les rencontrer. Bien que civil, mon colonel, puis-je avoir un avis sur le sujet? Parlez. Le capitaine Parrish avait la certitude que les Indiens ne cherchaient pas à attaquer. Ça m'est égal. J'ai décidé de fuir ces parages. Le commandant Renaud devra se rendre à la Pierre Noire. Le capitaine Benten le rejoindra suivant nos plans. Ses forces formeront l'enclume. Contournant les Indiens, j'atteindrai le fleuve, puis viendrai sur Renaud et Benton. Je serai le marteau qui s'abat. Ainsi, les Indiens seront pris au piège. Si jamais un incident naissait et qu'ils nous attaquent, le marteau cognerait l'enclume et que Dieu est de l'ennemi qui se trouverait là. Mais Paris, je dis que les Indiens sont très nombreux, bien plus que les éclaireurs ne l'ont rapporté. Monsieur Wentworth, le capitaine Paris est très connu pour son estimation pessimiste des faits. Et maintenant, préparez-vous. Les éclaireurs marcheront sur les hauteurs. Nous allons nous mettre en route. En avant! Et suivez-nous. Vous voulez qu'on abandonne la concession? Les Indiens se réunissent. Vous allez sûrement avoir leur visite. Non, on ne partira pas. Allez, pliez vos tentes! Venez. Dépêchez-vous. Arrive tout près, et les cavaliers aussi, de l'autre côté. C'est normal. Leur grand chef doit venir et il nous envoie ses braves en éclaireur. Ils seront amis. Le général. C'est de l'alcool, tous ces barils? Ça sert à pâter les peaux rouges, capitaine. C'est défendu. À toucher pas à ça, les gars. Si l'un de vous s'y oppose, je vais sauter tout le camp. Les tuniques bleues s'approchent beaucoup trop. Notre parole a été donnée. Nous attendons leur chef. Éclaireur de tête chaude. Ah,
tirer ces dix boules. Ne les laissez pas s'échapper. Tirons sur eux. Faut se battre. Thank you.
soldats de ce côté. Où sont-ils partis? Le long du fleuve. Ceux-là se battent, ils sont cernés. Blessé? C'est pas grave, Sam. Enlève-moi ça, Sam. Allez, partons. Mais qui rejoint le capitaine? Custer. Thank you.
sont aussi braves que nos guerriers. Ne les scalpez pas. En route. Regarde, capitaine. Vous célébrez victoire. Célèbre un des grands désastres de leur histoire. Le général Terry arrive demain, il sera là avec l'armée. Général Terry, vite, un message pour le général. Qui est-il? J'ai le devoir de vous informer que le colonel Custer et ses troupes sont complètement perdus. Un vrai massacre. Les troupes du commandant Renault ont également été massacrées. Où était-ce et quand? À la Pointe Noire, tard, hier soir. Sonnez le rassemblement. Faites soigner ces blessés. Sonne le rassemblement. Mes chefs, les soldats vont revenir avec beaucoup d'autres. Le succès d'un jour n'est pas une vraie victoire. Je demande la parole, Sitting Bull. Tenons leur tête, nous sommes forts encore. L'armée des Blancs fuira comme l'antilope devant nos guerriers. Je dis, allons, combattons-les. Puis-je donner mon opinion dans ce conseil? Veux-tu l'autoriser à parler? J'écouterai les mensonges qu'il a à dire et je laisserai nos braves le tuer. Je n'ai jamais dit de mensonge, Sitting Bull. Notre grand chef blanc ignore ce combat. Tête Jaune a avancé sans ordre. Tu n'as pas de preuves. Il y a ma parole. Je connais les plans. J'ai lu les ordres. Suis-je venu en prisonnier ou suis-je venu librement? Va, parle. Cette grande victoire est sans valeur. Quand le soleil se lèvera, tu verras une armée 10 fois, 20 fois plus puissante. Un grand général marche vers toi. Il y a au sud une terre sèche et déserte. Il y a au couchant d'immenses montagnes. Il y a à l'est le fort de tes soldats. Quelle route choisir pour mes braves guerriers? Il y a une route pour échapper à l'armée qui approche. Je te l'indiquerai. Non. Toi, tu nous guideras. Si c'est un traquenard, sur l'heure, tu seras mené au supplice. Parmi
les hommes blancs, tu es celui que l'on peut croire. Tu as tenu ta parole. Je dois te dire au revoir. Il faut que tu restes avec le peuple qui est ton ami. C'est un ordre, chef? C'est un ordre. You will combat your own people now? Oui. On ne te fera aucun mal pour nous avoir aidés. Le grand chef comprendra ce que j'ai fait. Adieu. Jamais je ne t'oublierai, mon fils. Que l'on n'oublie jamais que Custer est mort un héros. À mon commandement! En avant! Ici, où sont les Indiens? Partis. Ils ont traversé nos lignes la nuit dernière. C'est impossible. Je les ai aidés. Vous connaissez nos plans. Oui, vous êtes blessé. J'espère que c'est cela qui vous a troublé l'esprit. Soignez cet homme et mettez-le aux arrêts. Monsieur le Président, est-ce que le fait d'empêcher un terrible massacre est criminel? Mon enfant, la cour martiale a rendu une sentence et je ne peux que l'approuver. C'est pour quand? Il est d'usage de laisser au condamné à mort 2 jours de délai pour régler ses affaires. Je suis désolé. J'ai échoué, ça. Vous pensez qu'ils vont tuer le capitaine? Oh, Sam, il veut que vous partiez rejoindre vos amis pour éviter les ennuis. Vous savez ce que les Indiens disent? Eux disent, seul ami des Indiens va être tué. Pourquoi tuer capitaine, Miss? Indiens disent que c'est parce que blancs haïrent Indiens et celui qui est ami avec eux. Indiens disent plus vouloir parler avec blancs assassins. Sam. Sam, je ne vois qu'un homme qui puisse sauver le capitaine. Cet homme est Sitting Bull. Oui, mais nous avoir 2 jours seulement, Miss. Oh, il faut tout tenter, Sam. Marche.
capitaine Robert Parrish. Vous êtes reconnu coupable du crime de haute trahison et condamné à être publiquement dégradé et à être passé par les armes par notre régiment. Emmenez-le. Mais il est avec votre fille. Ouvrez les portes. Mais mon cher. Exécutez mes ordres. Que se passe-t-il? Voici Sitting Bull. Sitting Bull? Ne craignez rien. Ma fille l'amène au fort. Mon père, le général Howell. J'aimerais vous présenter à Monsieur le Président des États-Unis. Grand vénéré chef, nous devions nous rencontrer. Parlez, Sitting Bull. Depuis bien longtemps, j'ai voulu que la paix soit parmi nous. Il s'est écoulé peu de temps depuis que des braves, les vôtres et les miens, ont trouvé la mort. Pour moi, le souvenir de ce jour n'est pas un souvenir de joie. Pour moi non plus, Sitting Bull. Il est doux de l'entendre. Dites-moi pourquoi vous allez tuer ce soldat comme s'il avait trahi. Cet homme a toujours risqué sa vie pour apporter la paix entre nous. Il a risqué sa vie lorsqu'il a conduit mon peuple vers le nord, afin de supprimer les massacres de part et d'autre. Dans tous les siècles à venir, nous jurons respect à ce blanc. Le jour où il nous a quittés, je l'ai appelé mon fils. J'ai craint pour lui le retour auprès de ses frères. Je me souviens des derniers mots qu'il m'a dit. Le grand chef blanc comprendra bien ce que j'ai fait. Il a dit. Tuez cet homme, chef. Et votre nation aura détruit le meilleur de ses fils. Elle découvrira sa faute trop tard. Mais laissez-le vivre. Et grâce à lui, les Indiens et les hommes blancs
connaîtront encore tes joies.